Comme chaque soir de la semaine, Cyril Hanouna est à la recherche de la meilleure information média dans son émission Touche pas à mon poste. Et il n'hésite pas à inviter des journalistes de la presse People pour connaître leurs révélations sur des affaires qui touchent les célébrités françaises ou bien internationales. Le vendredi 11 mars, l'animateur a donc fait son tour de table habituel et quelques informations lui sont arrivées. En effet, Guillaume Janton a dévoilé le retour possible à l'antenne de deux émissions célèbres, Moi j'ai trois infos médias, lance alors le chroniqueur. L'acolyte de Cyril Hanouna commence alors sa liste. TF1 fait revenir la star AC, nouveau présentateur de Thalassa, Diego Bunuel, de France Télévisions et la troisième info CIST que je vais sans doute participer à Fort Boyard. Ils m'ont appelé ce matin, ils veulent faire venir le personnage de la boule, déclare-t-il avec ironie. Benjamin Castaldi a souhaité apporter une information supplémentaire au propos de Guillaume Janton. TF1 hésite entre star AC et faire revenir secret, a-t-il expliqué. Le grand retour de deux émissions mythiques des années 2000, les fans des deux programmes sont donc très impatients de savoir ce compte faire la première chaîne. Pour rappel, la Star Academy a fêté ses 20 ans, l'année dernière. L'émission présentée par Nikos Aliagas avait notamment permis de faire émerger des artistes comme Jennifer, Nolwenn Leroy, le regretté Grégory Le Marchal ou encore Emma Doma. Quant à Secret Story, l'émission a été diffusée du 23 juin 2007 au 7 décembre 2017 et a vu passer de nombreux candidats de télé-réalité. Dans tous les cas, les téléspectateurs des années 2000 seraient heureux de voir le retour de l'une des deux émissions. Loading Widget.